essayer de trouver un logement, dites-moi ça dans les commentaires ou parlez-moi en message privé sur Instagram. Normalement, j'ai encore quelques endroits à visiter ce samedi. Donc on verra bien si je trouve quelque chose, mais voilà. Sinon, je vous invite comme d'habitude à venir me suivre sur Instagram parce que je suis quand même assez active sur Instagram. Donc ça peut être pas mal si vous voulez suivre ce que je fais. Il y aura aussi dans la description le lien vers ma page Tipeee. Si vous avez envie de me soutenir, il y a toujours des contreparties. Enfin, il y a également mon lien vers Tingles. Et comme je vous l'avais dit en fait ce mois-ci sur Tingles, si on a 2000 abonnés, mais que en juillet. Et c'est-à-dire si on a 2000 personnes qui mettent un cœur sur notre profil et c'est complètement gratuit, on gagne une caméra. Alors, moi j'ai réellement besoin d'une caméra puisque je n'en ai pas. Donc je filme toujours avec mon téléphone. Et comme vous le savez, le son se décale avec mon téléphone, donc c'est très pénible. Quand je suis en France, je filme avec la caméra de ma mère, mais quand je déménagerai ici, je n'ai pas de caméra. Donc si vous voulez aller mettre un petit cœur sur mon profil Tingles pour essayer, peut-être que j'obtienne 2000 abonnés en un mois, ce dont je doute fortement, mais bon, on peut toujours essayer. Dans ce cas-là, je pourrais gagner une caméra. D'ailleurs, c'est même sûr, hein, il vous offre une caméra. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez m'aider à avoir une caméra. Parce que ça m'aiderait quand même vraiment et ça simplifierait le montage des vidéos. J'arrête de vous embêter avec ça. Je vais prendre ces petits chewing-gums. Ce sont les chewing-gums Oompa Poompa. Et celui-ci est à la... au raisin. Je croyais qu'il était à la mûre. Normalement, la vidéo FAQ sera après cette vidéo.
Vous pourriez littéralement fuir vos problèmes. À la moindre contrariété, vous sauteriez illico dans votre.
chirurgien dentiste à Paris. C'est une matière tenace formée de bactéries, résidus alimentaires.